Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé peut faire sortir le PSG de la phase des poules? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es optimiste pour Kylian? Est-ce que tu penses qu'il peut faire franchir un cap? Est-ce que tu penses qu'il peut faire sortir le PSG de la phase de poule? Parce que je rappelle, le PSG est dans la poule de Dortmund, du Milan AC et surtout de Newcastle. Et on sait que Messi est parti, Neymar est parti. Maintenant, donc, tout repose sur Kylian. Est-ce que Kylian sera capable de porter le PSG? Il devrait normalement l'être parce que il a voulu ça, entre guillemets, il a voulu être la star. Il a voulu être la star, porter le PSG, etc. J'espère qu'il ne va pas se planter. J'espère vraiment qu'il va tout faire, qu'il va tout donner pour amener le PSG le plus haut possible. Et évidemment, il a un coach expérimenté sur le banc, comme Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un coach très expérimenté. Moi, je fais confiance à Luis Enrique. Donc, Kylian Mbappé, il faudra vraiment qu'il essaie de mettre son ego de côté. Qu'il joue plus pour l'équipe. Qu'il joue plus pour l'équipe. Parce que c'est un mec qui pense beaucoup au stade. Il faut qu'il joue beaucoup plus pour l'équipe. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian peut faire franchir un cap, peut faire sortir le PSG de la poule? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.